Que reproche-t-on concrètement à l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana? Le procureur spécial de la CRIEF, Ali Touré, a fait des révélations tonitruantes ce vendredi 15 juillet 2022 en conférence de presse. C'est la première fois qu'il en parle alors que l'ex-chef du gouvernement d'Alpha Condé est incarcéré depuis le 6 avril dernier. Le parquet spécial que nous sommes reprochant à M. Kassori Fofana des détournements de plusieurs milliers de milliards de francs guinéens et plusieurs millions de monnaies en devises, a entamé Ali Touré avant de donner des chiffres qui donnent le tournis. Il s'agit notamment, dit-il, de la somme de 46 293 657 dollars américains dans le cadre de l'appui de la MAMRI. Mission d'appui à la mobilisation des ressources internes à l'ANIES, Agence nationale d'inclusion économique et sociale, par rapport à la procédure d'urgence pour supporter l'épidémie de COVID-19. Ce n'est pas tout. Selon le magistrat du parquet, dans le cadre de la gestion de la primature, il est reproché à l'ex-chef du gouvernement d'Alpha Condé un détournement de la somme 81 234 422 021 francs guinéens. Ce sont les montants qui ont été sortis des caisses de l'État entièrement décaissés sur ordonnance de M. Kassori Fofana. À date, nous n'avons aucune justification de l'utilisation de ce montant par rapport à sa gestion au niveau de la primature, explique Ali Touré. Le cumul des montants annoncés avoisine les 150 milliards de francs guinéens. Au-delà de cela, poursuit le magistrat, il y a d'autres montants non moins importants qui ont été révélés dans sa gestion et constatés par rapport au mouvement au niveau de ses comptes bancaires en francs guinéens et en devises dollars euros. Ce sont des comptes qui ont connu suffisamment de mouvements suspects par rapport à l'inculpé, explique Ali Touré, qui précise qu'il y a d'autres faits reprochés à M. Kassori Fofana par rapport aux rétrocommissions lors de sa gestion. Le dossier est encore cependant devant la chambre de contrôle de l'instruction de la CRIEF. Il y a la procédure suivie également contre M. Ibrahima Kassori Fofana, poursuivi pour les faits également de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption et enrichissement illicite. Dans cette affaire, comme ils vous l'ont dit mes prédécesseurs, le parquet spécial a engagé l'ouverture d'une information, a engagé les poursuites judiciaires contre les membres du gouvernement déchus au niveau de la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale. C'est dans ce cadre que M. Ibrahima Kassori Fofana a également été entendu, à l'époque Premier ministre des faits, Premier ministre du gouvernement déchu. Il a été entendu sous procès verbal conformément à nos instructions et le rapport nous a été transmis pour fin de procédure. À l'examen donc de ces procès verbaux, vu la pertinence des faits, nous avons cru devoir orienter l'affaire en flagrant délit en tournant la date d'audience au 11 avril. Vu que il y avait pour nous l'impossibilité de réunir le tribunal à cette date et conformément aux dispositions pertinentes du code de procédure pénale, nous avons donc requis l'ouverture d'une information et par courrier, en date du 7 avril, nous avons informé les avocats que dorénavant cette procédure était orientée à l'instruction et qu'ils devaient s'adresser à cette chambre pour tout besoin de procédure. Alors, à ce niveau, Monsieur Ibrahima Kassori Fofana a d'abord été extrait par les magistrats instructeurs. Il a catégoriquement refusé de se faire extraire pour être entendu devant la chambre de l'instruction. Ce n'est qu'après avoir introduit une requête en référé liberté devant la chambre, devant le président de la CRIEF, et après une ordonnance de rejet de cette requête, que Ibrahima Kassori Fofana donc a décidé de se faire entendre devant la chambre de l'instruction. C'est ainsi qu'il a comparu devant cette chambre et il a été régulièrement inculpé. À sa date d'inculpation, la chambre de l'instruction avait jugé nécessaire
de le placer sous contrôle judiciaire moyennant paiement d'une caution de 20 milliards, payable 15 jours après la notification de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. Évidemment, le parquet que nous représentons n'était pas du tout d'accord de cette décision. Nous avons relevé appel et on est venu devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. À ce niveau, les débats ont eu lieu et la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et a placé Ibrahima Kassori Fofana en détention provisoire. Et donc, a renvoyé le dossier devant la Chambre de l'instruction pour que l'information puisse continuer. C'est lorsque le dossier est retourné devant la Chambre de compte, devant la Chambre de l'instruction, que Ibrahima Kassori Fofana a été interrogé sur le fond pour la première fois, parce que nous sommes en enquête financière. En enquête financière, les premiers interrogatoires sont des interrogatoires de façade. Il faut 2 à 3 interrogatoires comme ça pour que le dossier puisse être approfondi. Et donc, dès le premier interrogatoire au fond, les avocats de Ibrahima Kassori ont introduit une requête aux fins de liberté. Donc, sur pied, conformément à cette requête, donc, la chambre de l'instruction a ordonné la liberté de Ibrahima Kassori Fofana moyennant paiement d'une caution de 3 milliards, cette fois-ci, payable avant la sortie. Cette décision également, nous n'étions pas d'accord. Nous avons relevé appel et actuellement, le dossier est pendant devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. À l'heure où je vous parle, l'affaire est en train d'être débattue devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Ce que je voudrais dire par rapport à cette procédure, c'est que le parquet spécial que nous sommes, reprochons à Ibrahima Kassori Fofana des détournements de plusieurs milliards de nos francs et plusieurs millions de monnaies en devises. Notamment, la somme de 46 293 655 dollars dans le cadre de l'appui de la Mamrie à l'Agnès par rapport à la procédure d'urgence pour supporter l'épidémie Covid. Il y a également dans la gestion de la primature la somme de 81 234 422 000 0,21 francs guinéens qui ont été sortis des caisses de l'État, entièrement décaissés sur ordonnance de Ibrahima Kassori parce qu'il en était l'ordonnateur. Et à date, nous n'avons aucune justification de l'utilisation de ce montant par rapport à sa gestion au niveau de la primature. Au-delà de cela, il y a d'autres montants non moins importants qui ont été révélés dans sa gestion et constaté par rapport au mouvement au niveau de ses comptes bancaires en francs guinéens, en devises. Les devises, il y a dollars, il y a euros. Ce sont des comptes qui ont connu suffisamment de mouvements suspects et en francs guinéens également des mouvements suspects par rapport à l'inculpé. Il y a d'autres faits qui sont reprochés à Ibrahima Kassori Fofana par rapport aux rétrocommissions lors de sa gestion. Donc à l'heure où je vous parle, comme je vous l'ai dit, l'affaire est en train d'être débattue devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction par rapport à l'appel que nous avons interjeté suite à l'ordonnance de mise en liberté de la Chambre de l'instruction.